Say something for the record. Tell the people what you feel. Fuck the record and fuck the people. Hello les Paradisans, c'est Hardcore Crunch Paradise sur la chaîne d'Avant-Garde. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, on se retrouve pour l'opération Chasse aux Deux, chapitre de Chocolat Vivant. Et voilà, on va essayer de se focaliser sur les épreuves. Les épreuves de la plus importante. On commence à annuler. Et voilà, je me focalise sur ça. Hop, on va recommencer maintenant. Maintenant, se focaliser sur un petit jouet, hein. Bah oui, comme ces packs là, on se focalise sur. On se focalise maintenant sur les jouets de dignes de Toy Story, hein. J'ai l'impression que c'est un jouet de Toy Story. Ou alors un autre jeu dont le jeu a été le plus connu au monde. Je me rappelle plus le titre. Je crois que c'est un jeu où il faut gagner une course, mais en forme d'un jouet. En gros, on prenait des voitures dignes d'un jouet. Et je dis que ce serait pas mal dans un premier temps. D'avoir une petite découverte du jeu, ça. Et puis pourquoi pas, hein. Donc, le thème associé dans cette opération Chasse aux œufs, chapitre de Chocolat Vivant, c'est deux épreuves de course qui se situent à Big Surf Island. Après, c'est deux épreuves de Burning, mais ça. On va d'abord rester sur Big Surf parce que les épreuves de Burning, ça se situe à Paradise City. Donc on va faire deux épreuves de course qui se situent à Big Surf Island. Ensuite, ce serait deux épreuves de Rodel Witch qui se situent aussi à Big Surf Island. Et des défis de Road Showtime. Voilà. Et maintenant, allez, go, trace ta route. Spell words by help us strive with babies. No, I won't wait till the race. Sit your
Allez, go! Un takedown, parfait. T'as pas l'impression de rouler un peu vite, hein? Alors, en fait, j'utilise un microphone qui s'appelle Razer Seren Mini. C'est en forme d'un microphone. Qui est vraiment très très bien que les autres. Habituellement, j'utilisais mon ancien casque gamer. Et il était complètement foutu, donc je me suis mis dans la formation sur un petit microphone, sur un mini microphone de Razer Seren. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce type de microphone. Après il faut que je me penche et c'est pas terrible si je m'éloigne comme ça. Après au niveau de l'enregistrement de ma voix, je pense que si je m'étais un peu plus éloigné comme ça, je pense que vous n'entendez pas forcément bien. Voilà, donc maintenant, on se focalise maintenant sur le Rodel Wage. Bien sûr, le Rodel Wage, ça va barder. Et je vous garantis que ça va barder. Et oui, bien sûr. Mais avant tout, on va d'abord changer de caisse, changer de véhicule. Hop. Je passe par le raccourci. Hop, hop. Voilà. Allez. Maintenant, ça serait. Voiture des gens, voiture des voitures, voiture des pourquoi pas les gens, Hunter Manhattan Spirit. Il a plein de puissance. Allez, à Mini Toys. Hop. Allez, go. Après, la question, c'est est-ce que je vais réussir à faire une épreuve, à faire 18 takedowns
mais avec ce type de véhicule comme ça. Vous en serez informés, les Paradise. Allez, go! Allez, go, go, go! Là, je vous défonce, là. Je vous respecte pas. Hop. Allez, je vous défonce, là. J'ai envie de faire une takedown avec vous, là. Hop. Voilà. Bien fait. Bien fait. Et encore bien fait pour toi. Ouah. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est bien. Voilà. Là, je deviens un leader de takedown de Rodolwage. Et voilà les takedown voitures. Mais alors, franchement, c'est pas mal. Les musiques sont généralement associées aux musiques comiques du rock metal. Il y a une apparition du grunge. En même temps, le nu metal et metallic hardcore dans le groupe de Slipknot. Et d'autres groupes les plus emblématiques de Psychostick. L'un des groupes de comédie rock les plus fondamentaux. Ouah, super. Ça, c'est beau, ça. Allez, là, je vous défonce, là. Pilonnage, bien fait. Pour toi. Ça marchera pas. Vous dis là, même en forme de jouet comme ça là, hop, voilà, bim. Voilà, ça c'est bien. Welcome to the end of Psycho Stick and Stuff. Allez, boum. Et voilà. Et voilà le travail. Admirez le travail. What is this? Who are you? Why, I'm a Patrick Stewart impersonator. Ha! Another Patrick Stewart impersonator. Pish posh. Let's hear it then. Hello there. Allez. Sir Patrick Stewart. C'est bon. Là, j'entends mon objectif. Total garbage. Patrick Stewart sounds le jugement est tombé. Nothing like Sir Patrick Stewart, you creep. Dans le film de Ghost Rider. Enfin, dans le... Oui, dans le film de Ghost Rider. Il disait souvent le jugement est tombé. Mais par contre celui de Nicolas Cage, c'est pas digne d'un bon film, ça. Il y a des jeux que je vais vous faire découvrir bientôt. Ça s'appelle Marvel's Midnight Suns. En gros, c'est basé sur une histoire. C'est un jeu de stratégie. Oui, c'est un jeu de stratégie. Au tour par tour. Un tactical RPG. Anyway, where was I? Oh yes, please enjoy like an entire additional 30 minutes of this nonsense. I've been a Patrick Stewart impersonator. En gros, tous les héros de tous les héros de Midnight Suns on se focaliser sur des missions à éliminer les ennemis en proie de l'élite. À l'origine, c'était sa mère. On jouait un rôle d'un personnage
de la fille, de tous les personnages, que ce soit pour garçon ou fille. Il s'appelait Hunter. Dans le Marvel, c'est Million Suns. En gros, sa mère était devenue une sorcière maléfique et s'appelait Lilith. Et en gros, tous les héros étaient, pas tous. Certains héros ont été capturés par Lilith et ont pris possession par Lilith. Allez, hop, je retourne à Big Surf. Et voilà. Maintenant, je deviens battable là, dans les forces de Rodolwage. Eh ben, c'est cool. 41 takedown. Maintenant, on va se focaliser sur l'épreuve de Burning. Que ce soit pour Big Surf ou Paradise City. Et je crois qu'il y a une épreuve de Burning. C'est juste là. Alors, ce qu'on va faire, on va changer de véhicule. On va prendre un véhicule plus sophistiqué. Pour le Big Surf. En gros, on va prendre ce véhicule-là. Donc, ça m'a l'air très très bien. C'est un peu comme... Et ce véhicule-là, c'est digne d'un rallye raid. C'est en forme d'un véhicule plus orienté pour les hors-pistes, hors-russes. Maintenant, on va se focaliser là-dessus. Hop. Allez, go. C'est parti. Et on quitte le Big Surf ici. Allez, go. On accélère. On essaie de gagner un peu de temps là. Passe pas par le raccourci, faut pas se tromper le chemin. Et le raccourci qui se situe juste à côté, c'est hors de la zone où il y a le checkpoint. Go. Super. Mais alors, merci beaucoup. Maintenant, je pourrais éventuellement changer un autre véhicule, mais plus agressif cette fois. Voilà. Maintenant, on
se focalise sur un véhicule de flic comme ça. Hop. Quoi, quoi, quoi. Je vais pas faire. On va prendre un gros Hunter Takedown 4x4 en police Paradise City Police Department PCPD. Hop. Maintenant, allons au Rodel Wage. C'est situé tout en haut. Ça se situe à côté d'une épreuve de course. Allez, go. Allez. 3, 2, 1, let's go! Allez, je mets une sirène. Je suis un gros monstre comme ça. Digne d'un monster truck. Ou alors, digne d'un rally ride, hein, comme jamais là. Voilà. Allez, maintenant je vous défonce. Parce que vous êtes. Voilà. Hop. Grind. Take down grindcore. Ah, le grindcore, c'est vraiment un style de musique, mais vraiment hyper agressif. Mais vraiment, hein. Digne de la pornographie, de sexe ou de la pornographie. À l'origine du death metal, directement influencé par le punk hardcore et du metal extrême. Je mets par ici. Allez, là c'est bon. Là je deviens sans pitié là. Bim. Oui, pilonnage automatique. Allez, go. Tekton. Ça va barder. Le plus haut degré. Oh, oh, oh. Là, je deviens un métalleux. Hein. Là, franchement. Et figurez-vous que j'irai 4 jours à Hellfest. Hop, voilà. J'ai réparé donc ma bagnole de flic. Ou de. Bagnole de flic Monster Truck. Ou alors Rally Rider. Comme ce que j'avais là. Ouah, super. Ça, c'est ce que je veux voir là. Ouais. Plouf dans l'eau. Super. Ah, comme ça, on sera plus nombreux là. C'est génial. Allez. Ça, c'est bon. Ouais. Ouais, super. Allez, un dernier. Allez, dégage.
Ouah, super. Objectif atteint. Je suis un leader de Road and Wage. Un leader de Demolition Derby. Ouais. Opération Funky Core. C'est digne d'un Funky Core. Maintenant. C'est digne d'une opération Funky Core. Avant, c'est opération chasse aux œufs. Et lors de ma dernière vidéo où j'avais fait le chapitre 1 d'une opération chasse aux œufs. Mais j'ai dû rester calme jusqu'au bout, quoi. Enfin, rester calme. Pas forcément. Mais là maintenant, c'est hyper trash, hein. C'est hyper trash que je fais là. Super. Alors super. Regardez-moi ça là. Je veux voir les choses qui cassent. Ouais, c'est ça, ouais. Ça suffit, Arrête, Je me rappelle, Je me rappelle, c'est l'un des collègues qui dit « Mais eux !» Ça suffit, Mais eux, ça suffit, Allez, go. Je vais sur l'autoroute. Allez, bouffe dans l'eau pour toi. Bien fait. Va te nager. Et fais gaffe, Et j'espère que t'as du sourire au requin, hein. Parce qu'il y en avait de partout. Allez, c'est bon. Là maintenant, on se focalise sur du Showtime. Allez, go. Ah. C'est mal passé. C'est très mal passé. Mercredi. Mal passé. Ah, comment ça tire, nous. On l'a refait. Ah, il y a un bus. Allez, go. Là, c'est bon. Et pourquoi il y a tous les véhicules qui apparaissaient pas là, enfin qui disparaissent là. En gros, c'est la science-fiction. Il y a les sirènes qui a dû enclencher sans vouloir, alors que il allait se dégringoler. Ma bagnole de flic. Là, c'est bon. Super.
Super. Super. Super. Ça, c'est ce que je veux, là. Ouais. Parfait. Ah là, c'est un turn. Il y a beaucoup de puces, hein. Ça, c'est bien. C'est ce que je veux, moi. Ouais. Allez, c'est bon. Là, on est bon, là. Ouah, super. 3 172 000 points. 1 500 $. Nickel. Nickel, nickel. Par contre, je vais devoir configurer la touche. Parce que, bah... juste pour alors qu'est-ce qu'on va prendre comme véhicule pour se focaliser sur et si on se focalise sur la Nakamura qui s'est jeté là. Ce qui se situe sur la carte, là il fait nuit déjà. Il fait déjà nuit, donc maintenant, faut qu'on se remet un petit peu. Enfin, seconde. On passe comme nous, non plus. Il reste une épreuve de burning à faire, et après, encore un défi de route showtime. Pour la dernière étape. Allez, go! Allez, go! 1 minute 38. De toute façon, j'ai déjà débloqué sur plusieurs épisodes. Hein. J'ai pu faire. Mais c'est pour l'opération chasse aux œufs. Chapitre 2, chocolat vivant. Alors, ce qu'on a fait comme showtime, on dirait que le chocolat est vivant. Ah, ça, c'est une blague comme le poisson d'avril. Comme à tous les autres nourritures, tous les matériaux du genre. Les voitures, ils sont vivantes. Je sais pas pourquoi ils sont vivants. Jump up my jalapeno, your by hand, meltdown with Rotelius, a whole can. Tortilla chips gonna drown in this melted cheese. Queso. Super. Là, c'est bon. Là, on est bon, là. Là, maintenant, je vais tout d'abord faire une petite coupure, vite fait. So
voilà, j'ai dû paramétrer les configurations de la touche. Parce que voilà, c'est quand même plus... c'est quand même plus facile pour... ou alors... voilà, maintenant je reprends les touches habituelles. Je pense que c'est quand même plus plus facile de... Faut juste que je trouve une épreuve. Enfin, que je trouve les défis. Voilà, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. You're getting hungry, and all you've got is mac and cheese, but you're impatient. Looks like you need my expertise. That one commercial, red instrument that's meant to teach. This time we'll make it. With me, you know I aim to please. Boil the noodles, but this time milk must be withheld. One stick of butter, add cheese and wait for it to melt. Then add the powder. Showtime! Allez. Voilà. Maintenant il y a les bus. Ouais. Génial. Ouais, super. Millions of light years, impossible to cross the void. Our fate is certain. We all are doomed to be destroyed. Intense and planning. We are conscious but not aware. They would not come here if not extensively prepared. Proof of their presence. And yet we humans feel alone. All of our structures. Le chocolat est vivant. Le chocolat est vivant. Pas terrible. Mais on s'en fout. Voilà. Bah du coup, les Paradise. C'est à présent que cette vidéo vient de se terminer. On a tout fait de A à Z. Et voilà. Et c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Et puis dites-moi franchement si vous voulez que je fasse plusieurs contenus vidéoludiques par rapport au jour des événements fériés. Si vous avez des idées que je fasse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées que je fasse d'autres contenus vidéoludiques par rapport aux événements comme Pâques, Armistice, l'Ascension, mais ça, non.
Ascension, je crois pas. La fête nationale du 14 juillet. Non, vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vraiment vous voulez que je fasse plus de contenu vidéoludique par rapport aux jours fériés, soit pour l'ascension fête nationale du 14 juillet, l'armistice, ou tout autre événement bien organisé, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, l'année prochaine, c'est le chapitre 3 de Opération Chasse aux œufs. Et voilà, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ou alors je me débrouillerai pour la suite. Voilà, et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo, sur ce bail, et à bientôt. Ciao. Clinically tested, I mean I got drunk and played it for this guy Corey who lives down the street. I think he works in a clinic. You never can tell with Corey. When you're about to listen to a Psychostick song, you should be confident in the fact that it is composed of vibrations that form a mechanical wave of pressure and displacement which travel through the air where they are transmitted to your vestibulocular nerve that then relays information to